esplanade extérieure de l'arrondissement central de Malanville. Les législatives de janvier 2023 sont au cœur de cette forte mobilisation de la jeunesse de la Libourie, tenue ce dimanche 4 décembre 2022. L'organisation de la jeunesse du Bloc républicain met ainsi en ordre de bataille les militants de la Libourie. À travers cette célébration de la journée départementale de l'OJBR, le Bloc républicain démontre une fois encore qu'il constitue une force capitale dans la Libourie. La section communale de Malanville a beaucoup travaillé et se suit suivant une démarche militante pour l'élargissement des bases du parti, pour remporter des victoires encore plus grandes sur le terrain de la lutte politique et du développement. Ce mérite est un acquis dû au militantisme, à la fidélité et à la loyauté au parti. D'une même voix, les jeunes et les femmes ont salué la rigueur que prône le parti du Cheval Blanc Cabré. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à poursuivre les actions de mobilisation et de remobilisation de la troupe au profit du parti. Le rôle de coordinateur de la première circonscription électorale confié à notre leader charismatique, l'honorable Nassirou Ali Fary Bako, nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Chacun de nous, où que nous soyons, en famille ou en cercle d'amis, nous devons nous battre en première ligne de toutes nos forces pendant les campagnes qui vont s'ouvrir très bientôt. Chers jeunes, retroussons nos manches, plions nos pantalons et disons que nous sommes prêts pour conquérir la victoire le soir du 8 janvier 2023. Consciente de la lourde responsabilité qui nous incombe, les femmes du Bloc républicain à Malanville, unies comme un seul homme, s'engagent avec détermination pour lutter aux côtés des hommes afin d'aboutir à une victoire sans précédent le 8 janvier 2023. À ce rassemblement de l'OJBR, organisé dans la Libourie, le bureau fédéral du Bloc républicain et le coordonnateur national de l'OJBR était représenté. La jeunesse, nous avons appris à attendre. Nous allons attendre encore une fois. Et en attendant, nous devons aider nos aînés à nous gagner le perchoir de l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons continuer par vivre politiquement. Votre fille s'engage. Est-ce que vous vous engagez derrière moi? Nous nous engageons pour faire du Bénin le premier parti du Bénin en commençant par la première circonscription électorale. Chers jeunes, je vous invite à cultiver la paix avant, pendant et après les élections. L'honorable Ali Fary Bako, leader charismatique de ces militants et militantes républicains, venus des 6 communes du département, qui avait à ses côtés El Hadj Issa Aziz, est impressionné. Il les a félicités pour leur représentativité au sein du parti, puis les invite à maintenir la dynamique. Depuis au moins 10 ans, ici, c'est le Bloc républicain, où les partis issus ou qui sont dans le Bloc républicain qui ont toujours gagné les élections communales ici. Nous avons toujours gagné également de sièges aux élections législatives et donc c'est un pacte renouvelé que nous sommes venus proposer aux populations et nous avons reçu, comment l'appelle-t-on, des réponses satisfaisantes et la mobilisation de ce jour en témoigne. Il n'y a point de doute que le Bloc républicain constitue une force indétrônable dans la première circonscription électorale. Le succès de cette mobilisation des jeunes de la Libourie en est la preuve. La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.